La Deep Soul, c'est un mélange de plein de musiques, en fait, à la base. Rhythm and blues, rock and roll, gospel, country. On met ça dans un shaker et on a l'essence même de la Deep Soul. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la transpiration, c'est une forme de vérité. On essaie de moins tricher possible et de se livrer un maximum et d'aller directement au cœur. C'est la force de la Deep Soul, c'est cette honnêteté profonde, où même si on n'a pas la patate, même si on écoute un morceau mélancolique, comme tu dis, ben je pense qu'on vide son sac quelque part et on, voilà, on se remet en avant. Et ça, c'est magique. Il y a très peu de musiques qui sont comme ça. Et voilà, moi, elle me fait vibrer depuis que je suis tout petit. Énorme. Exactement, juste avant le premier confinement dur, 15 jours avant, on a enregistré à la maison, façon maison en fait, en mettant tous les instruments un peu partout, des matelas, des fils, des amplis à la cave poussés à 11, et on a couché tout ça, et Dieu merci parce que finalement lorsqu'on a été fermé, ça nous a permis d'avoir plein de travail, surtout le plus important c'est de garder un lien avec la seconde famille, donc on a continué à travailler, par WeTransfert, par Internet, à travailler les arrangements, etc., jusqu'à ce qu'on puisse se remettre dans une démarche plus normale, puisqu'on a eu la chance d'être en groupe suivi avec à l'ampli à Pau. Et lorsque les confinements sont devenus un peu moins stricts, on a pu travailler en tant que professionnel au sein du Centre Musique Amplifiée de la région paloise. Et on a continué à travailler et à préparer aussi un show, etc., pour que demain, on s'est projeté, quoi. Voilà. Et surtout, un grand merci à notre label de nous avoir signé en plein confinement aussi
et d'être tombé amoureux de notre musique et d'avoir écouté ça lorsqu'on croyait qu'en fait tout était à l'arrêt, qu'on savait pas combien de temps ça allait durer. Voilà, ça a été un peu la surprise et c'est la petite anecdote et la jolie histoire de cet album. Come home, you know I'm waiting here for you. You've been gone, you don't know what I'm going through. I see somewhere to wait. C'est les deux aspects un peu de l'être humain et de la société dans laquelle on évolue, en fait, qui est vraiment une espèce de mélange entre un côté sombre et un côté lumineux. Et c'est ce qu'on a voulu retranscrire sur l'album, donc faire un espèce d'état des lieux sans être non plus donneur de leçons, c'est pas le but, mais voilà, de faire un peu un listing, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses. Et le versant de tout ça, c'est aussi que demain, il faut qu'il soit meilleur. Et que ce qu'on a de meilleur dans l'être humain, c'est aussi quand même avant tout l'amour et la fraternité. Et c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que maintenant, nous, on veut réveiller. C'est vraiment finalement la seule chose qu'on défend, c'est de réveiller le côté humain chez les gens et de parler directement au cœur. Et voilà. Et c'est pour ça qu'on voulait qu'il y ait cette dichotomie sur le disque, tout simplement. Sure.
Soupe-sol, 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 soupe-sol.